Tout d'abord, toute réussite vient d'Allah Azzawajal et tout égarement vient de moi, au Chaitan, et que je puisse être petit à mes yeux et grand aux yeux d'Allah Azzawajal. Donc si j'ai eu de la science, c'est que par la volonté d'Allah Azzawajal. Donc c'est pas moi qui ai de l'intelligence. Ce morceau-là, je l'ai vécu parce que j'ai eu un cancer il y a quelques années. Et puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Si vous voulez de l'aide, demandez à celui qui peut vous aider. Demandez à celui qui détient votre destin dans sa main. Allahumma thabbithum ala al-iman warzuqhum a'la al-jinan kama razaqtahum hidayat al-Qur'an bil-Qur'an ihtadayt bil-Qur'an ihtadayt fi rahbihi tahlu al-hayat shawqan ila al-mawla hatay aslamt ruhi lil-ina nur al-hana آية غيرت حياة شخص أخرجته من الظلمات إلى النور استغربت وكل فريق الإعداد استغرب وأنا أدري أن أنتم مستغربين واحد يدخل الإسلام بآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم هذا هو إعجاز القرآن سبحان الله ما راح أطيل عليكم راح تعرفون هذه القصة هذه المدرسة الآن اللي بجانبي هي مدرسة جاء هذا الشخص الذكي البلجيكي هو أذكى من قابلت سبحان الله عندما جاء إلى هذه المدرسة ليسأل عن الإسلام أصبح الآن مديراً في هذه المدرسة تابعوا معي هذه القصة الجميلة غريغوري مانويل راميس أو كما سمى نفسه بعد الإسلام بلال كان مسيحياً ملتزماً بتعاليم الكنيسة كان يحب المنطق ويعشق البحث والقراءة بدأت علاقته بالإسلام في حصة التاريخ بالمرحلة الثانوية J'étais en secondaire, en dernière année du secondaire, en terminale et le professeur d'histoire, qui était quelqu'un de très correct scientifiquement toujours très juste est venu avec le thème du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient et Moyen-Orient. Et on a vu l'aspect économique, l'aspect historique, et puis on est arrivé au culte, et donc à la religion de l'islam. Et à ce moment-là, il a commencé son cours de manière inhabituelle. Il a apporté le morceau d'un verset, le verset 191 de la sourate Al-Baqarah, en commençant « Tuez-les où que vous les trouviez ». Et il a demandé notre avis. Et à ce moment-là, tout le monde, parce que j'étais dans une école où il n'y avait pas de musulmans, tout le monde a commencé à insulter les Maghrébins, les Marocains, les Arabes. Et c'était très, très violent. Et j'étais étonné de ce professeur qui laisse faire ça. Et juste après, il a calmé tout le monde en disant « Ici, je parle d'une religion et vous me parlez de race. » Alors que d'un point de vue sociologique, le pays le plus musulman est l'Indonésie. Donc, vous devriez dire les citrons, les jaunes, les bridés. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et ici, c'est là où il a apporté, alors que lui se disait non-croyant, il a apporté simplement la rigueur scientifique de l'approche d'un texte. Et en même temps, de ce texte qui est le Coran, avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et le contexte de pourquoi, donc Asbab Nuzul. Et à ce moment-là, ça m'a réveillé. Kharaj Bilal min al-Fasl. متوجه إلى ساحة اللعب مثل أي طالب ولكن ما زالت كلمات المدرس ترن في أذنه رجع بلال إلى البيت وبدأ يبحث عن الإسلام دون أي تأثيرات جانبية كم استغرق معك الوقت من هذه الآية وسماعها من المدرس إلى أن دخلت الإسلام كم استغرق وقت البحث
Ben, entre les deux, il y a eu entre un an et demi, donc où après ben, j'ai assumé, donc j'ai appris, j'ai lu, et puis après, ben, après un an et demi, deux ans, eh bien j'ai assumé mon choix et donc j'ai fait la charda et j'ai acté d'être musulman. Vu que quand je me suis converti, plusieurs personnes ont voulu me faire dire la charda. Donc j'ai dit à plusieurs endroits. Mais l'endroit où je me rappelle, c'est dans l'école où je faisais mes études pour être professeur et professeur de religion catholique. C'est là où je me rappelle parce qu'il y avait d'autres enseignants et qui étaient musulmans. Et alors ils ont dit, il faut que tu fasses la shahada. Et alors, voilà. C'est le plus loin que je me rappelle de l'avoir dit, c'est à cet endroit-là. Cheikh Bilal, mashallah, tabarak al-Rahman, عندما نطقت الشهادة, ما هو شعورك, قلبك, وأين كان المكان؟ السلام, la paix. et le, un poids qui s'en va. هناك أمر حقيقة لفت انتباهي أن الآية التي دخل بها الإسلام وأثرت به في سورة البقرة واقتلوهم حيث ثقفتموهم. سبحان الله, دخل بآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وعندما دخل في الإسلام شعر بالسلام الشيخ بلال ما شاء الله تبارك الرحمن. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة الله سبحانه وتعالى يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم هذه الآية العظيمة فيها بيان في حالة الإسلام في الحرب والإسلام عزيز أما دون ذلك فالإسلام دين سلام وتبين الآيات التي بعدها عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هذا هو الإسلام دين سلام ولكن يخفى على كثير من الناس الآيات تمر علينا وتمر على الكثير ولكن عند بلال لم تمر مرور الكرام. Tout d'abord, toute réussite vient d'Allah Azzawajal et tout égarement vient de moi ou de Shaitan. Et que je puisse être petit à mes yeux et grand aux yeux d'Allah Azzawajal. Donc si j'ai eu de la science, c'est que par la volonté d'Allah Azzawajal. Donc ce n'est pas moi qui ai de l'intelligence. C'est une première chose. Deuxième chose, à partir du moment où une religion reprend les enseignements que moi je connaissais, parce que j'étais chrétien, pratiquant, j'aidais ma communauté chrétienne ici à Bruxelles, en Belgique, en Europe, et j'étais vraiment investi. Si une religion dit qu'elle reprend les enseignements d'Abraham, de Adam, de Noé, de Moïse, de Jésus, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. C'est impossible. Et donc, c'est là où ma curiosité a été attirée. Parce qu'on peut, on peut pas arriver à du mauvais avec Adam, Nour, Ibrahim, Isa alayhi salam, c'est impossible. نحن الآن نجلس أنا والشيخ بلال في مسجد رابطة العالم الإسلامي في بلجيكا وتحديدا في بروكس العاصمة نجلس مع الشيخ بلال وهذا المسجد له شيخ بلال معك قصة في دخولك الإسلام. C'est vrai que c'est ici que j'ai eu ma première prière à la mosquée. C'est ici que j'ai suivi des cours pendant plus de 4 à 5 ans. C'est toujours une émotion particulière parce que ça rappelle des souvenirs. Si je peux me permettre, aux personnes non musulmanes qui nous regarderaient, sachez que l'islam est facile et pratique et surtout utile, car elle donne un sens à notre vie. Elle nous explique comment vivre et comment bien vivre. Et l'islam nous rappelle que finalement, si on fait un voyage, l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe dans l'avion, c'est à l'atterrissage. Où veut-on arriver?
Veut-on arriver dans un endroit paradisiaque ou veut-on arriver dans un endroit un petit peu difficile? La réponse, elle est là. Notre vie, c'est le passage dans cet avion. Et l'atterrissage, c'est notre mort. Donc ce n'est pas si grave que ça, la mort, car ça nous ouvre réellement la vraie destination. Le pourquoi on a été créé est tout simplement d'adorer celui qui nous a créés. Alors, honnêtement, si vous réfléchissez un tout petit peu, et si vous avez regardé le programme, ouvrez un Coran et lisez-le. Dans votre langue, lisez-le. Et vous verrez l'effet qu'il aura sur vous. Et Dieu seul sait. روحي للإله.